Salut! Salut! Aujourd'hui, on fait la vidéo des lois vraiment weird de France, qui est l'alcool est interdit au travail sauf pour la bière, le vin, le cidre et le poiré. Mais c'est de l'alcool. Ouais, débile. C'est quoi d'abord l'alcool? Les Français, je me demande si vous allez bien des fois. Vraiment fucké, hein? Ok, on peut voir ici là, que il est interdit d'être nu chez soi. Quoi? Quoi? Wow! Quoi? Hey, une chance qu'ils ont fait cette loi-là, je me serais mis tout nu chez moi. Si vous avez un paiement à faire et que vous n'avez pas de chèque nécessairement sur vous, eh bien, tant pis. Vous ne pouvez en aucun cas écrire un chèque sur un simple papier. On ne peut en aucun cas. Il faut que le papier soit pas simple, il faut qu'il soit très complexe. Oui, sinon c'est non. Les ovnis n'ont pas le droit d'atterrir à Châteauneuf du Pape. Les ovnis, okay? Ok? Parce que là, ils mais... considèrent que les ovnis... existent. Bah, déjà, c'est... C'est une théorie, mais tu sais, eux autres dans la loi, ils disent que c'est officiel qu'ils existent. Les ovnis n'ont pas le droit d'atterrir à Château. Par contre, en Afrique, ils ont le droit. Canada, c'est quoi? C'est ça. Mais juste Châteauneuf du Pape. Châteauneuf du Pape mange la merde. Ils ne veulent voir aucun alien. Ah, sérieux, là? Il est interdit de se marier avec son oncle ou sa tante. Sauf si le président de la République est pour. Pourquoi tu serais pour ça? Déjà, là. Mais c'est juste si le président de la République est pour. Ben, ok. Je critique pas. Comme on peut voir ici, il est interdit de mourir à Cogno. Désolé, je le prononce mal. Donc. Les personnes qui habitent là-bas sont immortelles. Exactement. Il y a probablement juste des jeunes qui habitent là-bas, mais même à ça. Là. C'est interdit de mourir, fait que ça doit tellement être prudent là-bas, là, je sais pas. Mais même si tu meurs là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu vas être mort pareil. Ton cadavre va être accroché sur une prison. Oh non. Dans la prison, toi. Les éléphants sont interdits sur la plage de Grandville. Les éléphants sont interdits sur la plage. Qu'est-ce que l'éléphant il fout sur la plage? Ben, ça peut arriver, mais même à ça, c'est quoi? Tu t'arrêteras pas l'éléphant? C'est en France, y a pas d'éléphant en France. Ces sites-là sont fucked up. Exactement. Sauf que, c'est quoi tu veux faire s'il y a un éléphant qui est là? Le policier va pas l'arrêter pour le mettre en prison. C'est quoi tu veux faire? Ouais. Ils vont le taser. Une poubelle est une arme mortelle potentielle. Une poubelle est une arme. C'est pour cela qu'il est attaché. Un cochon ne peut s'appeler Napoléon. Oh! Pas un cochon, ça peut être n'importe quel animal, mais un fucking cochon. Fait que si t'as un singe, tu peux l'appeler Napoléon. J'appellerais Germain. Regarde, c'est ça que ça veut dire, là, regarde. T'as pas le droit d'appeler un cochon Napoléon. Fait que ça veut dire que tu peux appeler un singe Napoléon, hein? Même un éléphant, hein? Ok, pour cette loi, il faut vraiment la prendre au sérieux, ok? Fait que pour ça, je laisse la parole. Si vous avez pas de foin chez vous, là, vous êtes illégal, vous êtes des menaces. Vous êtes des terroristes. Mourez. Il faut avoir du foin. Vous n'avez pas de foin. Vous êtes illégal. Vous êtes exactement. Des hors-la-loi. Fait que comme on peut voir, exactement, il est impératif d'avoir du foin chez soi. Et oui, si le roi venait à passer chez vous à cheval, le roi à cheval, il est impératif que vous ayez quelque chose pour que l'animal puisse reprendre des forces. Petit conseil. Prévoyez également un cookie. Si le roi lui-même a un petit creux, on ne sait jamais. Un petit cookie. Le ketchup est interdit dans les écoles françaises. Ah non, mais sérieux. C'est-tu encore une loi qui existe pour de vrai? Ils mangent pas avec leurs frites. Mais je sais pas si c'est une loi qui existe encore. Elle existe encore. Hein. Le moustique interdit à brioler. Je sais pas si je le pense comme il faut. Là. Bon, ok. S'il pourrait mettre cette loi-là dans tout le monde, déjà, le monde serait réglé. Personne ne crèverait. Ce serait le monde serait le paradis, littéralement. Ouais. De deux,
tu veux foutre quoi, ok? S'il y a un moustique dans cette ville-là, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi, ils vont aller menotter le moustique. Oui, c'est ça que ça veut dire, ils vont aller menotter le moustique pour le foutre en prison. Tellement intelligent! Je pensais avoir trouvé la loi la plus étrange de toutes, mais non. Aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai trouvé la loi qui est la plus bizarre à date. À date, là. Il est PQ. Possible de faire un chèque sur du PQ. PQ! Faire un chèque sur du PQ, t'as pas le droit de le faire sur une feuille de papier. C'est ça. Mais tu sur du PQ, ça passe, c'est chill. Ah ouais, ça c'est bien correct. Mais sinon, sur du PQ, c'est merde. Okay, sur une feuille de papier, c'est non. Sur du PQ, oui. Hey, c'est vraiment fucké. Ok, finalement, là, je retire tout ce que j'ai dit. L'affaire du chèque sur un PQ, là. Non. Essayez de m'en trouver une plus fuck weird que celle-là. Vas-y, dis-le pour ça. Vous pouvez vous marier avec une fucking personne qui est morte. Qui n'est plus vivant. Tu peux te marier avec un mort. On a fini. Merci d'avoir écouté la vidéo. Et mettez un like, abonnez-vous à Shadow Midnight. Et crevez. Merci pour cette outro. Non, mais sérieusement, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des idées de pays, je me répète encore, je le sais. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Puis là, ben, il y en a un, là, qui m'a marqué un continent. Donc, je te le dis. Marquez-moi pas de continent. Il m'a marqué l'Afrique. Mais marquez-moi pas le continent. Marquez-moi un pays. Fait que je voulais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!